Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la toute première vidéo La vie au garage. Et avant de faire le petit tour du garage, je tenais à vous préciser que comme vous avez pu le constater, on s'approche des 1000 abonnés. Donc je vous remercie tous. Et je vous avais promis un jeu concours pour les 1000 abonnés. Donc il suffit juste de passer les 1000 abonnés et il y aura donc un jeu concours pour gagner des miniatures. Voilà. Donc maintenant on va passer tout de suite au petit tour de la vie au garage pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc l'épisode 1. On fait un petit tour. Donc là j'ai aussi changé la lumière et deux caméras. Parce que je trouvais qu'avec le premier la première caméra, c'était pas top. Donc là on voit qu'il y a un petit taxi qui attend en fait. Qui attend pour soit déposer ou récupérer des personnes qui déposent leur voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jolie américaine qui arrive sur le garage, sur le parking. Voilà. Jolie américaine là qui arrive sur le parking, une verte. Sophine. Alors, au garage, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, toujours la poubelle qui est ouverte. Voilà, fermée. Voilà. Donc, il y a une petite Camaro convertible. C'est quelqu'un qui est de passage, comme ça, qui passe voir un petit peu si les travaux de sa voiture ils avancent. Alors. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une Mustang sur la gauche qui est en train de faire une petite révision. Changement d'huile et compagnie. À côté, on a une jolie traction Matchbox qui est en train de faire un petit coup de pression, un petit coup de check-up d'huile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu venir au garage, celle-là, donc. Voilà, c'est un vieux client qui vient. Ah, là, on a le facteur qui passe. Voilà, il est en train de livrer des colis avec des pièces détachées au gérant. Voilà, là il y a une petite voiture toujours en expo. Là cette fois c'est une AC Cobra. Là on remarquera la présence de la dépanneuse Lincoln Custom Maison sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Sur le pont il y a une jolie GTR qui est en train de faire un. Il est en train de réviser sa ligne d'échappement. Qu'à première vue, il avait un petit problème, ça sifflait. Sympa, hein? Une meilleure qualité d'image quand même là. Donc là, Lincoln qui est en dessous, la Lincoln qui est prête à l'usage, bien sûr. Alors là, dans les pièces détachées, on voit la cheville qui est pour l'instant au stade en attendant son tour. Il y a aussi la petite estafette qui attend son tour afin d'être restaurée de la peinture. Comme dit, j'avais prévu d'enlever le noir tout autour. J'ai commencé, mais ça n'a pas encore fonctionné comme je voudrais. On va faire le tour du garage. Boum. Voilà. Donc là, là ça fait une. Cette fois, il n'y a personne qui fait le plein d'essence. Une petite cactus. Voilà. Citroën sur le parking. Là, on a la remorque du proprio qui va livrer la bonne shaker qui a été vendue. Voilà, pour l'histoire. Vous me direz hein, si ça vous plaît, hein, ces petites histoires que j'invente. Voilà. Alors, sinon, pour le reste, là, on arrive dans le showroom. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le showroom? Il y a une BMW 3 litres CSL. Il y a une petite Chevelle Gulf au fond. Petite 911. Faire attention à ce que la carrosserie lui tombe pas dessus. Alors là, c'est une Ford, une vieille Ford à côté et une petite aussi Redline Hot Wheels, donc une des plus vieilles Hot Wheels que j'ai dans ma collection qui est là, prête à attendre acquéreur dans le showroom. Bien évidemment, ce ne sont que des histoires. Aucune voiture n'est en vente. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo, avec ce petit montage, vous aura plu. Que les modèles présentés vous auront aussi plu. On voit un petit peu l'envers du décor. Ah, ça va être clair, ça.
qu'on arrive à voir au fond là. Les miniatures. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!